Ah, c'est peut-être dans le codex. Bon alors. On voudrait ça, nous. Faut 4 points ici. On a au moins 4 points là. Oui, tout en fait. Ouais, on a des boosts. Ah, très bien, oui, d'accord. Les agents, ils sont là et ils permettent des trucs. Ok. Infrastructure, je crois qu'on s'en fout. Capacité à l'inventaire. Plus un point de capacité au combat. Ok, oui. On reprendra ça à terme, quoi. Secret. Connaissance mystique. Main verte. On monte la portée de la recherche. Bon, objet. Collection d'herbes de niveau 1. Connaissance mystique. Alors. Les secrets d'Andraste. Il est intéressant de remarquer que les runes sont d'origine Alamari. Elles viennent des tribus qui vivaient à Talfereden il y a près de 1000 ans. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que la traduction de ces runes n'est pas intelligible, ce qui signifie qu'il s'agit d'un code. D'après les traducteurs, une référence au gardien indique également une île au large de la côte au nord. C'est étrange. Je vais poursuivre la traduction, j'espère que nous pourrons y voir plus clair. Très bien. L'escorte des nobles au cratère s'est révélée intéressante. Malory a dû employer la force pour empêcher quelques-uns de graver leur nom sur les cristaux de l'Irium Rouge. L'un d'eux voulait rapporter un corps calciné en souvenir. La prochaine fois, je suggère de les pousser dans le cratère et de les y laisser. Merci, sous-chevalier capitaine. Ouf, un petit loup de violet. J'avais raison, faire courir la nouvelle de l'incision s'italie aux gardes des ombres nous a permis de recevoir de nombreux messages de soutien. Grâce au traité, nous avons pu accueillir de nouvelles recrues et obtenir des dons en or et en équipement. Le commandant en fera bon usage. Très bien. Régler la section de l'IDES. Rapport de renseignement Benassa. En raison de la nature complexe des règles de succession orlésienne, le duché se joue entre trois membres de la famille du duc. Il y a d'abord la cousine Karalena, qui est déjà duchesse par alliance. Il y a ensuite sa fille Monette, dont la crédibilité est ternie par sa jeunesse et sa naïveté. Sans oublier que son père, qui souhaitait sans doute la protéger des vicissitudes du noble jeu, l'a poussée à s'engager dans les ordres de la chanterie après la mort de sa mère. Vient enfin son frère, Jean Gaspard, politicien habile et ambitieux en quête de pouvoir. Karalena est compétente et ne souhaite pas s'investir autrement dans les affaires de l'IDES. Monette serait le plus facile à manipuler, mais aussi la moins utile. Jean Gaspard serait le plus difficile à manipuler et pourrait constituer une menace s'il venait à succéder à son frère. Lui dit Monette, lui dit Jean Gaspard. J'ai envie de prendre Jean Gaspard. Hein. On va prendre Jean Gaspard. D'accord. Jenny Larousse, allons Jérémas. Je comprends rien du tout, c'est la messagère qui a trouvé cette fille, elle saura peut-être que l'aime. Pour vos gros pontes, le seigneur machin a quelque chose contre vous. Ses domestiques s'en fichent, ça pourrait changer. Lâchez-leur quelques bricoles, ils auront une surprise à Joséphine, des parchemins, quelque chose comme ça. À votre service. Et on peut faire une mission. On va faire gagner de l'argent. Alors. Est-ce qu'il y a besoin qu'il soit dispo? J'ai 8. Donc déjà on va pouvoir débloquer cette zone là. Oui, il y a besoin de dispo. On débloque les marécages. On débloque le bourbier délaissé. On a des soldats pris en otage. Qui souhaitent nous rencontrer. On verra ça plus tard. On va envoyer les Lianas chercher de l'argent. Parce qu'on aime le pognon. Alors les mages ou les templiers? Si vous choisissez les mages, il vous sera impossible de travailler avec les templiers. Le château de Golfalois, on va choisir les mages. Hein. Nous, on est team mage. Le château de Golfalois, les mages capables de fermer la brèche sont sous la coupe du magistère Gérion Alexus, un cultiste Venatori portant un intérêt malsain à Lavelin, ayant le pouvoir d'altérer le temps lui-même. Il a gentiment invité l'envelé au château, seul bien sûr, afin de négocier. Et il a recommandé 4 à 7. Bah, très bien. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre le château. Soit nous trouvons un autre accès, soit nous allons chercher les templiers. C'est tout. Golfalois est aux mains d'un magistère. On ne peut pas tolérer ça. La lettre d'Alexius demandait expressément la messagère d'Andraste. C'est forcément un piège. Des nouvelles du magistère Alexius. Ça ne m'étonne pas. Et pourtant, certains d'entre nous voudraient qu'on n'y fasse rien. Oh, ça suffit. Le château de Golfalois est l'une des forteresses les plus défendables de Ferelden. Elle a résisté à des milliers d'assauts. Mais on sait grâce au codex qu'elle est tombée au moins 3 fois. Vous mourrez. Et nous perdrons notre seule chance de refermer ces failles. Il en est hors de question. Et si on ne fait pas l'effort de rencontrer Alexius,
On perd les mages et on laisse une puissance étrangère hostile sur le pas de notre porte. Même si nous pouvions attaquer le château, ça ne servirait à rien. Envoyer une armée de l'Inquisition orlésienne à Ferelden, ce serait la guerre assurée. Nous n'avons pas le choix. Le magistère a été plus malin. On ne peut pas baisser les bras. Il doit bien y avoir une solution. On ne peut pas s'avouer vaincu. Il doit bien y avoir une solution. Le Jarl ? Où est le Jarl de Golfalois ? Il a sûrement envie de récupérer son château. Après son éviction, le Jarl Tigan s'est rendu à Denerim pour solliciter l'aide de la couronne. Je doute qu'il veuille de notre assistance une fois son château assiégé par l'armée féreldienne. Attendez. Le château cache un passage secret. Forcément qu'elle le sait. Pour le maître des lieux et sa famille. C'est trop étroit pour nos troupes. Mais on pourrait y envoyer des agents. C'est trop risqué. Ils se feront repérer bien avant d'atteindre le magistère. Pas si on fait diversion. C'est là que l'envoyé si cher à Alexius entre en jeu. Pendant qu'ils seront concentrés sur l'Avélan, nous neutraliserons les défenses du magistère. Ça peut marcher, mais ce n'est je pas... Je pense gagné. Là au nombre de répliques qu'ils ont dû enregistrer, là, parce que si on n'est pas l'Avélan, on est Trevelyan ou je sais plus quoi. Cet homme dit avoir des informations sur le magistère et ses méthodes, commandant. Vos espions ne passeront jamais la magie d'Alexius sans mon aide. Donc, si vous voulez vous attaquer à lui, je vous accompagne. Ce plan risque d'être extrêmement dangereux pour vous. Nous ne pouvons pas vous forcer la main. Nous pouvons toujours tenter de recruter les Templiers si vous ne voulez pas servir d'appât. À vous de voir. Non, on les déglingue, on les déglingue. Je confirme l'opération. Let's go recruter les mages métal. Alors on a forcément Dorian. Dorian c'est un mage qui va remplacer Dame Vivienne. On va garder Solas et notre ami Blackwall. Oh, on a oublié de crafter des potions, mais quel connard. Quel énorme connard. Annoncez-nous. L'invitation du magistère s'adressait à Maîtresse Lavélan et à personne d'autre. Vous devrez attendre ici. Ma compagnie en partout. Je ne vais nulle part sans eux. Donc, nique bien ta daronne, si je puis me permettre, jeune homme. Alors, c'est énervé, hein. Les Teventit de base, c'est tous des mages de sang. Et alors là, c'est une secte, c'est des extrémistes en plus. Alors, ouais. Est-ce béton le carnage que ça peut être? Monseigneur, les agents de l'Inquisition sont arrivés. Cher ami. Quel plaisir de vous revoir. Vos camarades aussi, bien sûr. Je suis sûr qu'ensemble, nous pourrons convenir d'un arrangement équitable pour tous. Et les mages? On n'aura pas notre mot à dire sur notre propre sort? Fiona, vous ne m'auriez pas confié vos fidèles si vous ne me faisiez pas confiance. Assez plaisanté. Et si on commençait? C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un d'aussi déterminé. L'Inquisition a besoin des mages pour refermer la brèche, et donc de moi. Mais que me proposez-vous en échange? Rien, vous voulez ma peau, on a des contacts, pas la moindre. Rien. Rien du tout. Je viens, je prends les mages et je repars. Et comment comptez-vous accomplir un tel exploit? Elle sait tout, père. Félix, qu'est-ce que tu as fait? Vous m'avez invité ici. Pourquoi? Savez-vous ce que vous êtes? Vous entrez dans mon bastion avec cette marque volée, un don dont vous ne comprenez rien. Et vous croyez tout contrôler. Vous n'êtes qu'une erreur. Qu'est-ce que vous savez sur la mort de la divine? Ce devait être l'avènement de l'ancien. Mais vous étiez indigne de sa présence. Père, vous vous entendez parler. Arrêtez. Le parfait stéréotype du méchant que tout le monde veut voir en nous.
Dorian. Vous auriez pu faire partie de tout ça, mais vous avez refusé. Les pouvoirs de l'Ancien dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Il fera renaître l'Empire de ses cendres. C'est lui que vous servez ? L'assassin de la Divine ? C'est un mage ? Ce sera bientôt un dieu. Il rétablira le règne des mages sur le monde, de l'océan de Boéric à la mer de glace. Vous ne pouvez pas impliquer mon peuple là-dedans. Alexius, c'est exactement ce dont on parlait, ce qu'on voulait éviter à tout prix. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez, père. Oubliez les Venatori. Laissez les mages du Sud s'occuper de la brèche et rentrez avec moi. Non, c'est la seule solution, Félix. Il peut te sauver. Ouais, sauver. Méchant qu'il y a des... qu'il y a des excuses. L'Ancien a une solution, il me l'a promis. Si je corrige l'erreur du Temple... Je vais mourir. Il faut que vous l'acceptiez. Attrapez-les, Venatori. L'Ancien a ordonné la mort de cette femme. Vos hommes sont morts, Alexius. Vous êtes... une erreur. Vous n'auriez jamais dû exister. Non ! What is the fuck? Allô ? Par le sang de l'Ancien, d'où ils sortent ? Tenez-vous prêts ! On va faire un truc, on va faire P. En combat, on peut pas. Il a 8 points utilisés, on peut pas. Je suis trop beau pour mourir. Ah oui, t'es trop beau pour mourir, mais bon, t'as donné aucune compétence que. Ok. Pire fight pour un archer, un mage, là au corps à corps avec deux guerriers. Putain. Un déplacement. Intéressant. On s'est fait TP. Ce n'était probablement pas ce qu'Alexius avait prévu. La faille nous a déplacés vers quoi? La confluence d'énergie mystique la plus proche? La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être dans le hall du château. Attendez. Si on est toujours dans le château, ce n'est pas... Oh, je sais. La question n'est pas seulement où, mais quand. Alexius s'est servi de l'amulette comme prisme. Elle nous a déplacés dans le temps. Ouais. Est-ce qu'on est allé dans le passé ou dans le futur, et jusqu'où? Excellente question. On voyage dans le temps, on voyage dans le temps. Regardons autour de nous pour comprendre où la faille nous a emmenés. Ensuite, on trouvera comment rentrer, si on peut. J'espère que vous avez un plan pour nous ramener d'où on vient. J'ai quelques idées là-dessus. Ce sont de jolies idées, brillantes, comme des petits bijoux. Mmh. Ouais, d'accord. Alors Dorian, c'est quoi tes spé? C'est pas trop, hein. Pour l'instant, t'en as pas. Pour l'instant... Hop, barrière, c'est obligé. Est-ce qu'on en fait un électricien ou un mage de feu? Oh, full feu, hein. Ça, ok. La barrière de feu. Voilà, il est full feu. Let's go. On loot tout. Des écailles de dragono. On va récupérer nos compagnons, non?
quand même bien l'impression qu'on est dans le futur, non? Alexius a complètement saccagé cet endroit. Il n'y a pas moyen, d'ailleurs, sur Dorian. Déjà, les armes. Ok, nul. Genre, nul de chez nul. Voilà, la robe du griffon, là. Pas mal, ça. Des dents. Je ne connaissais pas cette partie du château. Elle était remplie des plus affreuses sculptures de loups et de chiens que j'ai jamais vues. Mais ça, c'est encore pire. Ah, merde. Dissoison de Good Path. Tout fouillé, tout looté, tout crafté. Andraste me protège, Andraste me protège. Mes larmes sont mes péchés, mes péchés, mes péchés. Andraste me guide, Andraste me guide. Je crois que c'est un peu un homme perdu. C'est pas la merde de looter dans une autre période temporelle que la sienne. Voir nos potes là, avec qui on est rentré dans le... Ça c'est un peu obligé. Ça m'arrive. Ok. On doit avoir des potes de chaque côté. Saut là, c'est Black Hole de chaque côté. Ah, puis il y en a déjà. Vous êtes en vie? Comment? Je vous ai vu disparaître dans la faille. On est parti longtemps? Quelle est la date d'aujourd'hui? Il faut que je sache combien de temps s'est écoulé. Demetra. 9. 2 ans. 42. On est 2 ans dans le futur. 9-42? Un an. Alors on a sauté une année entière. J'ai dû passer à côté de beaucoup de choses en une année. Il faut que vous fassiez attention. Alexius, obéis à l'ancien, plus puissant. Le créateur, aucun de ceux qui le défient n'a survécu. Je n'ai encore jamais combattu de dieu, ça promet d'être mémorable. Notre seul espoir est de trouver l'amulette qu'Alexius a utilisée pour nous envoyer ici. Si elle existe toujours, je pourrais m'en servir pour rouvrir la faille à l'endroit d'où on est parti. Peut-être. Bien. J'ai dit peut-être. On pourrait aussi finir en purée. Il faut essayer. Votre maître espionne, Leliana. Elle est là. Trouvez-la. Vite, avant que l'ancien ne sache que vous êtes là. Ok. J'ai un peu peur sur les histoires de potions quand même, hein, parce qu'on est, on est méga weak là. Hein. Ils ont conscience, les développeurs. Si le lyrium rouge est une infection,
nom du Créateur, pourquoi il en sort des murs? Vous êtes sûr que vous voulez le savoir? Tiens, mais on n'a pas nos potes avec nous, ça va te lancer du cul. Y a quelqu'un? Oh, Solas. Vous êtes vivant? Mais je vous ai vu mourir! Le sort qu'Alexius a lancé nous a déplacés dans le temps. On vient d'arriver, pour ainsi dire. Pouvez-vous inverser le processus? Vous rentrez et empêchez les événements de l'année dernière de se produire. Il n'est peut-être pas trop tard. Vous avez mauvaise mine. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je suis en train de mourir, mais ce n'est pas grave. Si vous pouvez aller... Je suis en train de mourir, mais ce n'est pas grave. Rejoignez l'Inquisition. Vous ne savez rien de ce monde. C'est bien pire que ce que vous pensez. Alexius était au service de son maître, l'Ancien. Désormais, il règne sans rencontrer la moindre résistance. Ses sbires ont assassiné l'impératrice Sélène et ont profité du chaos pour envahir le Sud. Cet Ancien dirige une armée de démons. Préparez-vous à l'affronter lorsque vous aurez vaincu Alexius. On peut tout arrêter avant que ça n'arrive. Bien. Mais n'oubliez pas cet avenir. Ça vous permettra peut-être d'éviter qu'il ne se produise. Ce monde est une abomination. Il ne doit jamais exister. Il nous rejoint. Avec son stuff, évidemment, d'il y a un an. Tout était resté sur lui. Ça paraît logique. Je vous entends. Blackwall, I guess. Voilà. Andraste, ayez pitié. Vous n'avez rien à faire ici. Les morts doivent reposer en paix. Perdre la boule. C'est vraiment moi. Et je n'ai rien d'une morte, Blackwall. J'étais là. Je vous ai vu tomber. Le sort d'Alexius n'a laissé rien d'autre que descendre. Vous avez sauté des étapes. Regardez ce pauvre homme. Le sort d'Alexius ne nous a pas tués. Il nous a projetés dans le futur. C'est pour ça qu'on a survécu. Projetés dans le futur? Je ne comprends pas. Si on trouve Alexius, on peut revenir au moment où on est parti et éviter que tout ça n'arrive. Je suis peut-être devenu fou. Si ce que vous dites est vrai, dans ce cas, tout ce que j'ai traversé... Ce cauchemar tout entier. Je crois que c'est spécial. Ouais. Accrochez-vous à ce que vous ressentez. Vous vous défoulerez sur Alexius quand on l'aura trouvé. C'est un bon conseil. Si nous faisons payer Alexius pour ses crimes, ça me suffit. Quelle classe, Blackwall. J'ai entendu les gardes dire qu'Alexius ne quitte plus la salle du trône en ce moment. Alors, Lyanna, elle est où? À l'étage, peut-être. Regardez-moi le portrait de Dorian, il est ici. Trouvez-les! Ils doivent y être quelque part! Ah bon, fais-moi les marioles quand on est 4! Hein. Salut, Carmicha. On fait moins les marioles, hein. Chez les mecs, chez. Ça fait du bien de reprendre le combat. Le temps risque de nous faire défaut. J'espère qu'il va piquer cette potion à un moment, parce que sinon le niveau il va être compliqué, hein. On en a plus qu'une. Oh yes. Au moment où j'en demande une, il y en a une. Ça c'est beau. Okay.
loot, hein. Dans le futur. On est dans le futur, mais on peut looter. C'est funky town hein, ce château hein. C'est vraiment déjà c'est vivant. Puis ceux qui sont passés, tu dis qu'ils ont vraiment vécu leur meilleure vie quoi. Le créateur n'existe pas. L'ancien a pris tout ce qui lui appartenait et régnera bientôt depuis sa cité. Mage derrière le problème, hein. Je pense qu'on ne pousse pas au courant. Je peux pas passer, les gars. Je voudrais passer, mais je peux pas passer. Saloperie de mage. Bien les barrières, bien. Pourquoi t'as mis 3 étoiles dans le chat? Qu'est-ce que t'essayes de communiquer? Je sais ça. L'ancien ne tolère pas le moindre rival. Faire un truc en vrai, c'est que l'armure de Dorian, on va la mettre sur sur Solas, parce qu'en vrai c'est Solas notre mage. Déjà il pète la classe, faut le dire. Ah bon bah Solas est à poil, ça va le faire. J'ai le bolive. On s'enlève des stats, c'est pas comme si on était derrière. Dieu, Léliana. Parler. Je préfère mourir. Ou vous voir mourir. Oh. Vache, elle a dû prendre tellement cher. Vous êtes vivante ? C'était pour le moins impressionnant. La colère est plus forte que la douleur. Vous avez des armes ? Bien. Le magistère est sûrement dans ses appartements. Oh, Liliana énervée. Vous ne voulez pas savoir comment on est arrivé là ? Non. Alexius nous a envoyés dans le futur. Tout ça, sa victoire, son ancien, ce n'était pas écrit. Je dois retrouver Alexius et annuler son sort. Si on arrive à revenir dans le présent, on pourra empêcher ce futur de se réaliser. Et les mages se demandent encore pourquoi les gens ont peur d'eux. Personne ne devrait avoir ce pouvoir. C'est dangereux et imprévisible. Avant la brèche, on ne faisait rien qui... Ça suffit! Tout ça, c'est irréel pour vous. Ce futur que vous espérez ne jamais vivre. Moi, je l'ai vécu. Le monde entier l'a vécu. C'était bien réel. She's right. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on était parti? Taisez-vous. J'essaie juste de me renseigner. Non. Taisez-vous. Parlez. Meublez le silence. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il s'est passé, croyez-moi. Ça a changé quand même le château de Golfalois, hein. Il faut qu'on trouve Alexius, il est sûrement dans les beaux appartements du château. S'il y en a. Pour faire de la gauche quand même. Je
ça. Hein. Ça va. On se merde ? Ça va pas. À nous deux, Alexius, oh la vache. Le magistère a besoin de plus de puissance pour ses rituels. Non, ne me faites... En avant, pour l'ancien. Ah ouais, ça se suicide et tout, quand même. C'est un mode suicide collectif. Allez, voilà, voilà, on met des taquets. Il me prend l'aggro tellement on met des taquets. C'est de la folie. Alexius n'aurait jamais voulu ça. Il aurait peut-être jamais voulu ça, mais en attendant, c'est ce qu'il a. Hein. Hop. Ça va, ils sont pas vaches sur les cages de matos. Heureusement. La brèche, elle est partout. Ah ouais, d'accord. J'ai oublié à quoi ressemblait le ciel avant. Fufu. Je peux pas avoir l'aggro là, on dirait pas. Merci. Meilleur pour être comme liste. Pas un truc pour Rez, lui. C'est... ceux-là s'ils veulent les faire s'arrêter, je vais les bloquer. Trop drôle. Allez, qu'est-ce qui tombe bien, on la call. Je suis Bobby, tellement il tank. Risque de finir un petit peu en retard, mais on va boucler la quête tout de même. J'ai reset, oh non, je suis pas reset.
faut rester dans la zone de la rage, une faille. Hop, ça reste. Bien, c'est bien. On va prendre la hauteur. Être à la hauteur. Boom. Facile. Facile, facile. Je dis facile, facile. Oh là, du loot. Ouais, bah la dague. Osef pour l'instant. Hein. C'est une arme à une main ou pas hein? Armure de mâche, oh oui. Ok, accessoires. On verra. Non. Oui. Et puis voilà. On blinde notre tank. Réserve. Où est Félix? Vous le savez? Oui, je le sais. Et vous ne comptez pas me plus le tard, dire. Mais est-ce que je vous le un truc? Je vais juste. Regardez si on m'attend pour autre chose. Hop. Je pense qu'on va se garder Alexius pour jeudi là. Ceci est derrière cette porte. Il n'est pas derrière cette porte. Bien. On va se stopper là en vrai. Pour tenir, pour respecter le planning. Sinon je sais que je me connais, je joue encore 4 heures de filet. Voilà. On se laisse sur un cliffhanger.